situation na bango ebandi leloté les situations ebandi sous régime Oeleki. Je crois que baropé ça moins historique dossier o ya bango yo ilunga ilukamba secrétaire exécutif ya copirep a traité qui dossier yo. Ilukamba au premier ministre Oeleki. Carrément Ilukamba. Ah Ilukamba moko. Pepe Ilukamba. Voilà, Pepe a traité ce dossier a tindé na portefeuille a tindé na finance wa futa bango. Et le kana conseil des ministres en 2010. Bal dégager option ba futa bango. Tilelo ba futa mati. Moko zambo ka Félix Tshisekedi Tshilombo. Alongwe kisasa mokula dimanche po akende na programme moko privé na Bruxelles moko zambo ka kenda yemote akeyi na mwana na épouse na ye Denise Yakero tokuluka to ebana sima boyebete couple royal esengla ki baya bayete mais moko zambo ka depuis mokula lobi mokula yinga moko zambo ka azomi bongo na Bruxelles pour la visite privée de telle sorte que nos concitoyens sachent qu'il n'y aura plus de citoyens au-dessus de la loi et que tous les crimes seront sanctionnés au Congo et pas ailleurs. Après la réhabilitation, nous avons fermé l'hôtel. Tout le monde était dehors pendant 2 ans, de 2008 à 2010. Tous les travailleurs étaient très contents. Et ils nous promettent, après avoir réhabilité, tout le monde va regagner son poste. Mais c'était des mensonges. Nous avons 46 morts. 46 morts. Oui. Sur les 172. Papa, malembe. Oui. Papa Jean Kayumba, malembe. Ils sont là. Non, Tokino malembe. Régime est changé. Oui. Faites ce qu'il y arrive. Oui. Le peuple d'abord, notre ministre Naye. Situation à Bino pour brandir, bon, maintenant il y a changement. On peut espérer au foot à Bissou. Oui, oui. Bon, se déplacer, vous voyez qui ça, ça. Pour la Colande là. Entre temps, pendant que vous revendiquez votre droit à Bino, pour connaître 42 morts. 42 morts. Les lois, ils allaient s'engommer, ils dans le barraïté, papa sentinelle de la République, à Koutana Ranabino, chaque jour du lundi au vendredi, à partir il y a 11h. Ils allaient s'engommer, ils pouvaient être bandekonabiso à Lumbashi, bandekonabiso au Bazouami na Matadi, bandekonabiso Bazouami na Chabunda, bandekonabiso Bazouami na Ville Badouli, et pour Nakoloba était dans 26 provinces. Il y a République démocratique du Congo, vous allez causer la émission Nabino, la Pessimbote, dans Antena Tokundo, la bandekonabiso, surtout représentante de Nakoloba était au Matin à Tokundola na France, moi na mboka maman Mireille Chipama, on a souhaité bonne fête à ma maman, surtout à ma maman, oh Bazali Bantene à Tokundola, maman antenne à Tokundola na Canada, moi na mboka Lidinda Mousso, antenne à Tokundola, OP Bazoami, partout Bazali Kulanabiso, to Pessi Bangombote, poète Lelo, et Ali Sengoming, et surtout que Ezali, moi y'a ma maman, Mokolo ya lobby, Mokolo. Il y a le 8 mars, sauf imprévu, beaucoup de maman ont été présentées émission Nabiso, ils ont été surprises parce que papa Sentinelle a longu été, ils ont moi et ma maman et Sengeli Bango Moko, organiser émission Bango Moko, lobby Bokolanda, Ndeko Moko, Yepi à Rosala Sentinelle, maman Sentinelle à Rosala, Oyo à Rosala Bino et Longona Plateau. Voilà, Bandeko Balandi, ils ont été Sengoming pour les sous, les lotos Kouta Nabido pour Nakoubeta, Masolo Yamboka. Tolobeli Likambo, Etali Union Sacrée, Tolobeli Likambo. Mingi na oetali révision ya constitution topé référendum pona kolongo la constitution oyo to kené na 4e république bande ko balandi bolanda ki ba débat oyo sala ki vraiment actualité au courant en semaine kasi ezali na bande ko pe ba komona pasi o sengeli to beta maso nango na laka ki bino ete to kolobela ngo na émission le kaki to lobaki bokolanda elenge mobali oyo
azalaki victime autrefois bolanda ki mokozambo katanga ko uta mikili ya poto après tourner na ye bande ko na biso nyo sacré ba mobiliser ki ba institution to lobela ka yango to monaka bande ko na biso ba sénateur bande ko so ba député ba kenaka parler ba kenaka plutôt na aéroport ko zela mokozambo ka na cortège ya mokozambo ka ba tutaka ba wewa bolanda ka pe ba image bande ko na pe moto na se ya cortège ya mokozambo ka na suite na ye bolanda ki mokozambo ka le makite a kenaka ko visiter bango na ba hôpitaux pe alandisaki bango na moi mosolo pona ko sunga bango kasi bandeko wana bako réclamer moko na ko yamba epona ko tali saite ba promesse nyoso mokozambo ka salaka ezali ndeko moko a komisi yango te bako lela yango balobaki ete conseil mokozambo kana a ko sunga bango te a komi ko menacer bango soki ka ba meki ko leka na media a ko s'occuper na bango voilà bandeko baladi boko soyer to ko landa to ko yamba elenge wana mokulu ya lobby to na mikulu zali ko ya po ete ya solo boyeba makambo wana esuka wapi nde makambo to ko lo bango yo et zali ba kongole ba konyoka ma omukonza mboka akosunga me ba komona clarté na yambaka collectif ya bandeko na biso ya ba martyr oyo ya révolution pendant que le camp élection depuis 2006 2016 2017 bandeko na biso ba kufa ka pe elongo na Thérèse Kapangala bandeko na biso ba kufa ka elongo na ngosimu kendi na yambaka ba collectif ba biso ba bosa na bango ba bola ka na miso population ba yanga kotali sa été après ko ya mabango pa mokonza mboka après ko ya mabango pa maman de Denise Yakiro bandeko musu ba se retrouver te toujours entourage ya mokonza mboka bandeko na yamba bango wa bilile zali boku na ndango pe na ba YouTube mo nango ba famille wana ba ya kolela et na mama tanga kutu tanga bakufela ka wana na mokonza mboka komi mokonza mboka te wana zona 2016 on réclamait l'élection mokonza mboka a ko visiter bango Félix Tshisekedi à l'époque a zangi ko visiter bango Vital Kamerhe et les autres même Martin Fayulu mais lelo mwana mboka Félix Tshisekedi au pouvoir bazala ki reçu mais misu ba mbaba misu ba mbaba ngote misu pe misu d'accompagnement ya misolo bobi ke non il faut tcha mona ba condition et komate ba ko se réclamer talaka kali kamota le peuple d'abord papa santana ba ki était attaque sentinelle de la république a ko continuer toujours ko informer toujours ko rappeler mon konza moko tala izani na bandeko ba ko nyokoma ndenge na laka ki bino bandeko ba landi likambo ya ba ex fonctionnaire ba agent travailleur ya hôtel Caravia o ba za ko réclamer ba droit na bango e ko sala passe na laka ki bino te stengina ya mbabango po ete to lobeli yango avocat conseil na bango maître Eli Beni Kamalenga alemba pété kolobe yango na ba plateau nyoso mais ti lelo ba zo solution te eko e banate le peuple d'abord mokonza mboka lobaki et tel ka sloga to pe ba ba za pemé na mokonza mboka ba kusunga ite kaka ne mokonza mboka komena kasai e pa na ye a komi kuna amona o ya amona na ko tonga école misolo bima fe ya bimisa mbongo yo mona école a 3 millions de dollars école ndenge nini bande ko balandi école à 3 millions, réhabilitation, il y a beaucoup de gens 2 millions de dollars, réhabilitation, école. Tu as commis tout le monde à l'eau là. École à l'eau là, qui ça quand tu es au Yébiban de Kobanandi. Tu as l'année de Kobanandi. Quand tu es au Zamboka. Quand tu es au Kobanandi, tu es au Hôtel Caravia, tu es au Zamboka. Tu es au Zamboka, tu es au Musika. Papa Santina Lobara, tu es au Zamboka. Tu es au Zamboka. Et ça ne pas cité parce que tu es au Yama Félix Tshisekedi à l'époque. À Zobunda. Tu es au Zamboka, tu es au Zamboka, tu es au Zamboka. Papa sentine na balacrimogène. Habitu na pe ba journaliste musu bozawana. Est-ce que bobi ba couleur a balacrimogène? Tala. Bokoye ko l'opposition. Et ça va pas si bokoye ko l'opposition. Donc voilà bande ko baladi émission ya mba bande ko nyoso wana. Félix Tshisekedi donga na yebi. Le président de la République, combattant à l'époque. Makambo sa malelo yo na yebité. Na ko dimaté, ngande na za bo papa sentine dimaté. Soit attaque informété, soit bako comme c'est l'information soit entourage quand basan de Kabila ils ont continué les lots parce que je ne vois pas Félix Tshisekedi fils biologique de Tien Tshisekedi le peuple d'abord té je ne vois pas yango to baki de singeli to réveiller to lobela parce que to lobela ngo toujours na baki yango émission yamba yé plusieurs fois émission yamba Vital Kamerhe ko lobaté émission yamba Martin Fayulu bango nyo sole bazawana yango na bana ko kombat ça bango pe na ko défendre les populations kaka bango pe na yamba ka bango sope le bango nyoko la population na ba pe ba msusu wa la population pe lobe ba kosunga population parce que combat isa ya Congo ba institution ko kende biso ba tutu kende mais ba institution ko tikala mboke ko tikala Congo ko tikala mais ba animateur ba ko kende a tour à tour le sope ba nyoko mais non pe problème te to ko lobe la kaka lobe pe mandé ko sida deux mandé ko sida msusu pa ko ya sope ko sa nyoko la population problème te mais papa ça tient à accompagner ka la population tu ami pona bino na tongo le lobe ndeko balandi ndenge na lobaki bande konabiso o bakamba hôtel Caravia tokulaka oyeba historique izandenge nini pe suka ndenge nini
Toyambi, papa Mbayo Baudouin, Oyazali, ex-directeur général, parce que les loyaux, ils ont camarades de Gomsousso, mais Azali, directeur général, il y a Kala. Il y a Hôtel Caravia, tous les Longo, papa Mbote. Ah, merci beaucoup. Mbote Sentinelle. Merci. Nous avons présenté déjà. Tous les n'a papa Désiré Kaboula, Oyazali, directeur administratif, pays ressources humaines, il y a. Il y a Hôtel Caravia à l'époque. Oyo, bango ba kambaka mbote papa Bodo Désiré. Mbote Sentinelle. Maton Domingue. Enfin, tu as mis papa Kayumba Jean, on a dit président, il y a délégation syndicale. Il y a ex toujours Hôtel Caravia pour la globalité pour demander Kobayi qui bango ba kambaka Hôtel Caravia. N'a pas suivi papa Jean Kayumba Mbote. Mbote, papa Sentinelle. De la République. Enfin, Maître Eli Beni Kamalenga, on a besoin d'un colombe là-bas, à vous conseiller, Maître Eli. Mbote mon amboka, Sinzile amboka, Mbote na ba, ba kilien na nganyo, Sosa na bango na mesa. Mbote ba bango te, po bala misoro te. Mbote ba bango te, toza ka po interpele, ba konza mboka, po bata la situation na bango, souffrance le kimingi, nde baza ba kino a te, baba luchwa. Voilà, donc, le séjour na bango, wazav ma, très désagréable de voir souffrir, mais c'est pourquoi donc qui plaise aux autorités à côté la situation à Bangui et à la maman à Ming. Mais moi, dans Boka, Maître Eli Beni Kamalenga, yo bunda pour le changement dans Boko. N'a qu'on rappelait qu'il y a parmi les collectifs des avocats des Félix Tshisekedi à l'époque, non, dans l'équipe présidente républicaine, Bitumbe entre Bango na Fayoul, Boyebi, Bazo Sambaka avant Verdi Kasuka. Papa ou beaucoup monde a parmi les collectifs d'avocats, yo ebi Félix Tshisekedi. Bobunda, nandenga na bino batoge pour na ko défendre à l'équipe présidente de la République et puis à l'Enkaki. Comment na ko sale malelo yo, le peuple d'abord, les fils biologiques de Tshisekedi Tshisekedi wa Moloba, père son âme. B50 mo konga komba wa pesa biso ba courage. Ya ko affronter makambo mususu. Ba reportage na se, bon ça ba reportage ma ça c'est zobeta. Ba lacrymogène zobeta, papa Sentinelle de Koflavé Boyebi. Parce qu'on a cru à un homme. Bitumba nyoso on a pété que kana mai bo. Parce qu'on s'est retrouvé dans papa Pedro Mikolo bo na plateau. Bitumba nyoso IDP c'est bunda. Bitumba nyoso Kondo Tshisekedi c'est da bunda. Bitumba nyoso yo bunda, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, l'opposition dans l'ensemble. Ba on peut ba koufa pour l'état des droits. Et que kana mai bo. Et ko sa no soni tenga na ba tata boy. Non, je crois que moi, dans la situation à Bango est bandit les lotés. Les situations sont bandit sous régime ou éléki. Je crois que Baropé, c'est moins historique. Dossier où il y a Bango, il y a le Kamba, secrétaire exécutif, il y a Copirep, a traité qui dossier. Ilukamba au premier ministre Waleki. Ilukamba Moko. Pepe Ilukamba. Voilà, Pepe a traité ce dossier à Tindia na portefeuille. Portefeuille a Tindia na finance ou à foutre à Bango. Et vous le conseil des ministres en 2010. Bal dégager option à foutre à Bango. Tilelo à foutre à Maté. Tu es comme ça la rappel na Ilunga Ilukamba. Et à l'équipe premier ministre. Parce que ça dossier est très bien. L'ex-ministre Kouete, Clément Kouete, qui connaît aussi très bien ce dossier, il y a portefeuille. Il avait été saisi à l'objet de ce dossier bien. Ils avaient décidé même d'accompagner Babandeko. Il faut le baquer. Oh, ils ont autorité. Mais ils ont 172. Agent et travailleur. Agent et cadre. Et cadre. 172. Oh, yo, Tina Moya Lelo, Ilunga Ilukamba. La mandature n'est à Erazan à premier ministre, Azaï comme premier ministre, il a promis parce qu'il connaissait bien les dossiers qu'il allait régler la question. Si il nous cambaque rien, on a fait plusieurs lettres à rappel, rien du tout. On a écrit à Yalagou, l'ex ministre des finances. C'est Yalagou. On a rebloqué, ça me l'a dit, on a rebloqué. Voilà. FCC cash. Voilà. Le ministre des Finances a promis de résoudre la question, il ne l'a pas fait. Au moins, côté de l'outil, il y a un dossier. Et c'est pourquoi, comme il y a ce qu'on appelle les principes de continuité de l'État, on n'a pas baissé les bras. Les loyaux, toujours rappelé dans le Mbokka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il y a Azali,
bon père de famille. Parce que lelo tokoba ke congolais souffrant ces aki makasi parce que zanga tata. Vous comprenez? Lelo comme dans mtazu likama na Inde a redépêché mbangu bata situation. Pourquoi pas bata situation ba papa au ya hôtel Caravia. Je crois que obiso tozo senga lelo ezali interpellateur. Tozo senga na madame Adèle Kaïna. Tokota, nanga tokota wana. Voilà. Voilà, bandeko balandi, vous comprenez la situation tout en angou. Nale kanaba bref parce que mon collègue Singeli boy baiti za pena basango et Singeli toi non c'est bino. Moko zamboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Alongwe kisasa mokula dimanche pour akende na programme moko privé na Bruxelles. Moko zamboka kenda yemote akeyi na mwana na épouse na ye Denise Yakero. Tokuluka to ebana sima. Boye bete couple royal et Singeli kibaya. Ba yete mais moko zamboka depuis mokula lobi mokula yinga moko zamboka azomi bongo na Bruxelles pour la visite privée tokuluka to eba simanango eloko ni mwana mboka Félix Tshisekedi abombeli biso na bozongi na ye parce que ezali vraiment purement privé et non officiel na basango o etali social comme papa sentinelle azalaka toujours pemene na bandeko bandeko na biso ba travailleurs ba tokolo ba commerçants ya ba marché pirates. Bobi bino moko ete tangu mbeba izwami na bandeko na biso na Mongafula on a connu batu bakufi population lelaki mbule betaki kabla snel ibumaki batu moko zamboka elongo na gouverneur avila Kinshasa kanjini ngobila pe mbula matali sa malukonde batuaki mokano ete sengeli balongo la batu nyoso ba vandeur nyoso bazana na marché pirate parce que ekomema makama. Ba gouverneur, ba boukoumestre plutôt, ya ba komi nyoso, ba sanganaki, pour na kota la situation, wana, pe mokola elo ne ba zui décision. Donc mokola elo, tu ali mokolo ya le 7 mars, et c'est un peu ba yete, décision se zomi na niveau hôtel de ville, na niveau ya, ya ba kambi, ya ba commune, pour yete bata na ndenge nini, ba kosa la yete ya solo, ba ndeko nyoso ba zomi na ba marché pirate, ba longwa, ba libérer ba espace wana, pour être basala musala na bango malamu kasi tobite ekoleka ndenge nini parce que Chantini Ngobila a sa petri déterminé na Italie marché central toko zela toraki qui est déjà na niveau ya marché central déjà misale bandi ba expert ba kitaki mindele ba kitaki TV za radoté tokuluka to ba passe to landela pe Chantini Ngobila to ba est-ce que ils a ko évolué ndenge nini pour être alaka ki na ba kinwa mais moi j'ai la foi. J'ai la foi que Chantini a ko réussir ango j'ai la foi pour nga ndi melaka pour na mona ko zamboka fait ce que mon pas vendela likambongo. Donc, si je suis en train de faire 4 et que moi, je suis en train de faire un peu tout en train de faire parce que je suis plein mandat. Et puis, je suis en train de faire une étude à Sala qui est expert, je suis en train de faire un très moderne. Et je suis en train de ministre des Transports. Chéri Bokende ou Afilsaki, mon amour Kajantin Gobila. Donc, on a taxé par l'image Joana. Nana Lobela, tout ça en clivage politique. Donc, je ne suis pas journaliste, il y a opposition, je ne suis pas journaliste, il y a pouvoir, il y a journaliste, il y a population. Il y a clair la place, on a un peuple. Ce qui m'a dit que malam na lobaka. Donc, tout ça, on a dit que je voilà, bande ko balandi ba mi bien cravate. Dika ma ba mi bien cravate, oh yo, na mandaki ko loba yango, na onga nungu nungu. Moi, Namboka Jules Alingeti, chaque jour, nous avons interpellé. Parce que nous émission Papa Sentinelle. Ba Kinois, ba Congolais, ba Lobi, ba Lemi, Mbongo, na Bango. Tala, nous avons tata Mikolo, ba Vandiawa. Pas où vous foutez, ba Ngote. Tu habites, vous avez mauvaise volonté à pouvoir en place. Tu habites. L'État, comme l'État, Moïne, l'État, Mounion, Koli, ton n'est pas compagné. Il y a un autre, il y a un autre. Mission, les autres qui approchent, il y a un Congolais, Missousou, il y a un super. Tala, ba tata Minen, ba cravate. Waouh, bah sinon il m'a à gauche à droite. Mais ma camoba kosala otali yene longina yoko kanate. Jila Lingeti kolembate, to koti mois de la mois de mars, bunda kangela biso batata minene wana to kaka. Na bisa ko na ko nungu nungu na ministère de la finance, wa pe na bisa kyango. Na bisa ko na ko nungu nungu na PST, na ko kyango. Na ko tu nungu nungu pa nga nzambe mboko yo. Ah, iloba yango de ko mboko mboko elengi. Pour elengi pour na miyipi. Mais population ko nyoko ma. To de kanangamba régie. Tout dans nos sports, où mon kunzamboka, il y a mon la caca, n'a pas tout été à solo, pas mis, mais pour soutenir un boko. TV Zaradoté, Jules Alingeti, coup de chapeau, tout l'an. L'idée derrière est de renforcer l'état de droit en République démocratique du Congo, de telle sorte que nos concitoyens sachent qu'il n'y aura plus de citoyens au-dessus de la loi.
et que tous les crimes seront sanctionnés au Congo et pas ailleurs, et par les Congolais. C'est la justice que nous voulons renforcer, et donc par la justice. La lutte contre l'impunité et le combat pour l'instauration de la bonne gouvernance dans notre pays est une vision personnelle du chef de l'État. Lorsque vous constatez une autorité appelée à prendre des sanctions contre les actes de corruption, les présumés détournements ou des actes de mégestion tergiversés ou refusés, ça signifie clairement que cette autorité n'a pas la volonté d'accompagner le chef de l'État ou elle refuse carrément d'accompagner le chef de l'État. Les choses doivent être claires. Les actes de corruption, les actes de détournement des deniers publics sont des actes qui plombent le progrès social de notre population. Et on ne peut pas être autorité et rester indifférente devant de telles situations qui sont déplorables. Retour sur le plateau, Tozoko Bakan a mis son abisso, Trobaki et Tozako Yamba, Dengue Trobaki, Bande Konabiso, Hôtel Caravia, Namoni Tozali, na DG, ya Hôtel Caravia, c'est-à-dire ex-cadre, Nazobeta Sete, Baoba Kambaki, Hôtel Caravia, Trobatoiba, Tozali, na Ozaraki chargé, ya administration, paix, ressources humaines, un groupe présentateur syndical. On a été président syndical, il y a des délégations syndicales, il y a Hôtel Caravia, et l'on a bangoné pour découvrir ce qui s'est passé. Il y a maintenant Kota, nous avons tout le DG. Papa Mbayo, nous avons tout le bouton, il peut être dans le bac de Sengiliboya, tout le temps, on s'est déplacé au Yé. Papa Mbayo, nous avons directeur général dans Hôtel Caravia. Hôtel Caravia, ils ont nini, pour nous avoir un abisso, ils ont un wap, parce que. La population que l'on a découvert à comprendre, quand nous parlons de l'hôtel Caravia, certes, il y a l'État, il y a privé, et les Caravans sont comme directeur général. Vous avez dit directeur général, il y a solo, au Kambayango, comment ça s'est passé la gestion? Pour tout comme la question, oh yo, tout l'an dit, j'ai dit, on va accompagner mon Kozambo, quand il y a la vision, les choses vont être claires. C'est que je vais vous montrer. Alors, tu l'auras plutôt découvert à travers le bateau de Kambaki, Hôtel Caravia. Mais tu as besoin d'un soulo Hôtel Caravia, Zani. Oui, l'Hôtel Caravia, c'est un patrimoine de l'État. Oui. Et qui fut inauguré en 1975. 75 déjà. 75, l'Hôtel Caravia a fui inauguré à cette période-là. Mais c'est un patrimoine de l'État. À ce moment-là, c'était géré par des chaînes internationaux privées. Tels que UTH, Sofitel et Sheraton. Sheraton Hôtel. Sheraton Hôtel. Qu'on trouve en Amérique, partout. Oui. Sheraton est un peu partout. Partout. Là. Oui, partout. Alors, cet hôtel, depuis le départ de ces chaînes hôtelières-là, il y avait des gestions différentes, disons, envoyé par l'État lui-même, puisque comme l'État c'est le propriétaire de cet hôtel, il a envoyé les gestionnaires, les différents gestionnaires pour gérer l'hôtel. C'est alors qu'en 2007, on a vu que l'hôtel commençait à se dégrader. En quelle année déjà? 2007. L'hôtel a été déjà créé, disons, au fait, mis en place en 1975. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, on avait à ce moment-là contacté les autorités. On a écrit à Kinshasa. Ouais. On a écrit à Lubumbashi. À ce moment-là, ce fut le gouverneur qui était, à l'époque, c'était Moïse. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, qui fut gouverneur à cette époque. Alors, on a sensibilisé tout le monde pour qu'on réhabilite l'hôtel. Parce que, comme il y avait une dégradation très avancée... À l'époque, vous étiez DG. Ou bien vous étiez encore... À ce moment-là, j'étais encore agent. Cadre, oui. J'étais à la comptabilité. Vous étiez déjà un ancien. Oui, un ancien. D'accord. Déjà là-bas. Alors, il y a eu... Donc, le gouverneur avait lancé des offres. Il y a eu la chaîne de l'ONRO,
qui est venu, une chaîne britannique, qui est venue pour commencer la réhabilitation de l'hôtel. Quand l'ONRO est venu, le gouverneur en place à ce moment-là nous rassura que cette chaîne qui est venue, la chaîne britannique là, qu'on allait continuer à travailler avec eux et qu'après la réhabilitation, les agents devaient regagner leur poste. La réhabilitation avait commencé. Tous les agents attendaient. Et quand la réhabilitation était terminée en 2010... Donc ça avait pris combien de temps exactement? 2 ou 3 ans. 2 à 3 ans, donc c'est-à-dire l'hôtel était fermé. Oui, l'hôtel était fermé. Il fallait réhabiliter l'hôtel. Voilà. Puisqu'il y a une dégradation très avancée. Oui. Et la réhabilitation était terminée. C'est alors que les agents se sont présentés lors de l'inauguration pour dire que nous sommes là, vous nous avez promis qu'on devait reprendre nos postes juste après la réhabilitation. Quelle fut la surprise des agents? Il y avait déjà d'autres agents là-dedans qui commençaient déjà à travailler en place et lieu des anciens travailleurs. Qui ont été recrutés après. Pendant la fermeture ou bien... Pendant la fermeture, voilà. C'est alors qu'il y a eu un peu des échafaudés. Et les agents réclamaient, bon, maintenant, payez-nous maintenant nos décomptes, puisque vraiment, c'est pas possible. Le gouverneur dira qu'on va vous payer, on va payer les décomptes à tous les agents, sans problème. Le lendemain, on ira le voir, mais son téléphone était toujours fermé, il n'y avait pas moyen de le voir, de le contacter et tout ça. Mais les autorités de Kinshasa étaient venues lors de l'inauguration, tels que Maman Mabunda et tout ça, tout le monde était là, même le président et tout ça. Le président Kabila. Kabila, oui. Joseph Kabila. Oui. Président Noël. L'inauguration a eu lieu, mais c'est pendant cette inauguration, les agents réclamaient qu'il fallait nous payer les décomptes et les arriérés des salaires. Maman Mabunda promettra qu'elle va faire le tout. Pour que... La Mabunda, ministre des portefeuilles. Des portefeuilles, à l'époque. Ministre des portefeuilles. Mm. Mais quelle fut la surprise des agents? On a attendu. Il n'y avait pas de réaction à ce moment-là. On écrivait toujours à Kinshasa pour réclamer des décomptes, surtout au portefeuille. On a beaucoup écrit. On a contacté les instances différentes pour essayer de les sensibiliser afin que les travailleurs entrent dans leurs droits. Rien ne se faisait. Alors, c'est alors qu'on s'est dit, bon, alors à ce moment-là, il faudrait aller sur place. Il faut venir ici. Il faut venir ici pour réclamer nos dus qui sont restés impayés depuis 2008-2010. Et les agents commençaient étaient dans des situations difficiles. Il y en a ceux qui logeaient même dans des écoles, même dans des églises. Les agents étaient là, logés dans des églises. Ils passaient la nuit dehors. Et c'était une catastrophe, vraiment. À ce moment-là, on a commencé à enregistrer des décès. Thomas Bormokoufa. Oui. On a commencé à enregistrer des décès. Et c'était difficile de supporter ça. On s'est dit non, il faut descendre sur les lieux pour réclamer nos dûs. C'est ainsi que nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés ici, nous sommes logés, mais difficilement. Donc ça fait combien de temps, Moussa? Oh, ça fait bientôt 3 ans. 3 ans, Moussa, là, qui s'assemble. Oui. Pendant qu'on réclamait ma droite. Oui. On est là depuis 2019. Voilà, mais sur l'hôtel Caravia, il attend à combat Caravia, tout est changé. C'est toujours le même. C'est la même chaîne avec Pullman. Pullman. C'est Pullman, mais oui. De Katan. Ah bon. Ah. Triste, tu es qui DG Mbayo Baudouin, tout le monde chargé d'administration dans les ressources humaines. Papa Désiré Kaboul. Papa Désiré Kaboula, ma travailleur,
bah agent, bah cadre, au bas on a passé 172. Ça fait 3 ans que vous en avez ça. Est-ce que bande cognon soana bazali na ba dossier o yebani bazali bato bazali ba travailler solo bazali bato pe ba mi pe saki na misala na bango pour que l'état congolais ale kana kufuta bango. Oui, merci Sentinelle, tes questions sont très bonnes. Je crois que nous ne pouvons pas nous donner le luxe de venir défendre les fantômes. Ça, c'est bien. Hein. Nous sommes responsables et nous avions eu ce mandat-là. Je vous dis noir sur blanc, chacun de cet agent-là, de ces agents-là a son dossier. Je peux même, d'ailleurs, n'allons pas loin. Pièce contre pièce. Ne parlons pas dans. Tu veux dire à l'autre bandego. Mais quand est-ce qu'on m'a qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez exactement qu'on ne parle pas dans le vide. Contre pièce. Nous parlons dans le vide. Nous voulons être beaucoup plus précis pour que vous puissiez au moins voir les choses. Voici ici. Ça, c'est notre état de personnel. Vous voyez, nous reprenons le vide. Voilà pour preuve. Voyez si le nombre est fictif, alors tu pourras quand même. Voilà, Hôtel Caravia, direction des ressources humaines, Lubumbashi, état du personnel du mois de novembre 2007. Déjà, dans ce monde, Awa, ma numéro matricule, Tomoni. Voyez si M. Voilà. Mbayo est là. J'ai vu Mbayo. Voyez d'abord, parce j'ai qu'il vu, faut. Direction générale, j'ai vu Mbayo, Kapalang. Mugang, Kalume, Loisi, Standard, Mukesa. Donc, Namoni Bakumwa Bajan, Awa, et ça continue, ça continue. Moli sur Ramazani, direction financière. Ah, on a qui n'a besoin de ta direction financière, un bon. Surtout que. Voilà. Donc, TV dans la doté Bandego Balandi, Yango, total général 172 agents. Donc, document Ngoyo. Autre 2007. Merci. TV Radio TV Batouba Mouniango. Alors, ce qu'on va y bani, parce que TV Zangoka. Pourquoi ils ne sont pas payés? Nous achetons l'administration là-bas. Ah bon? Bajan n'a pas foutu à mater pour l'année. Dit, ils ne sont pas payés, mettons deux choses. Oui. Avant. Bande comment comprendre? Ah, bande comment tu m'as chier? Avant. Bande responsable à cadre entreprise français, c'est plus facile que Lingala. Oui. Donc il faut comprendre. Soit tu es au Canada qui soit là, ah, Lingala Kougaté. On va remettre. Soit là, le Mbashia. Et on a la Kimi Nanga, on a la France, c'est la Sunga, on a la Lingala. Avant qu'on conseille, on a un résumé. Tokoba. Bon, Et vous dites pourquoi ils n'étaient pas payés? Oui, ils ne sont pas payés. Pourquoi? C'est parce que c'est un droit. Oui, c'est un droit. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ils ne sont pas payés. Moi, je pense, comme notre conseiller n'a pas mâché les mots, il a été cool et il a fait un topo de la situation. L'hôtel, comme le déjà dit, l'hôtel n'est pas fermé. L'hôtel fonctionnait. Nous avions demandé qu'on puisse réhabiliter l'hôtel, compte tenu de l'état de la dégradation de l'hôtel. Bon, écoutez. C'est moi qui va réhabiliter, c'est mon gabosana. Pendant qu'il va encore réhabiliter, va engager ma monsieur Souboya pour que tu vas tout bon. Nous ne pouvons pas nous bander les yeux. Nous sommes adressés à notre employeur qui était représenté en province par son excellence, monsieur le gouverneur Katumbi. Il est vrai qu'il s'est engagé à faire tout ce qu'il a fait, mais malheureusement, ça n'a pas été concluant. Parce qu'on a été surpris qu'après la réhabilitation, derrière nous, il y a eu des agents qui ont été pris. Est-ce qu'ils étaient pris à nos noms? Est-ce qu'ils étaient pris avec nos numéros matricules? Est-ce qu'on a constitué de nouveau? D'ailleurs, s'il vous plaît, ça fait très mal quand je dois aborder ce dossier. Imaginez, depuis 1975, il y a les gens qui cotisaient.
à l'INSS, par exemple. Mais où va, où ira cet argent? Faut-il résilier unilatéralement? Bon, nous ne sommes pas dans ce domaine. Ce qui nous intéresse ici, après qu'on ait analysé les choses, on a dit qu'on paye carrément notre décompte et nous sommes prêts. Athée en bon et dit fort, pour ne pas redire ce que le maître a dit. En tout cas, il est là. Merci beaucoup de l'effort. Vous vous battez pour des milliers. Avocat du peuple. Avocat du peuple. Chapeau. Malheureusement, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé par après? Nous espérons que la parole d'un chef a force des lois. Ça, c'est un fait. Comment voulez-vous qu'un président de la République décide de payer? Il informe ses ministères, il informe ses services et que la chose ne soit pas exécutée. Comment voulez-vous comprendre? Nous avions fait foi à ce conseil, nous avions fait foi à la décision du ministre, nous avions fait foi à Madame Abounda. C'est la continuité de l'administration, mais nous avions connu ce que nous venons de connaître. Mais avec combien de conséquences derrière nous? Le délégué va vous parler ici des nombres, non? Bon, parce qu'il a aussi droit à la parole, hein, il nous aide un peu. Des morts, il y en aura. Même les noms, je peux les citer ici devant le plateau. Vous allez faire des investigations. Bon. Ce paiement ne vient toujours pas. Pourquoi? Nous ne comprenons pas. Mais nous continuons à faire foi à notre employé, qui est l'État congolais. Nous continuons à faire foi au président de la République. 3 ans après. Non, nous ne comptons pas 3 ans après, parce que nous, mettons, comme il s'agit d'une continuité, nous parlons de la présidente de la République. Il doit avoir porté les casaques. Là, en tout cas, nous espérons qui va nous dédouaner. Voilà. Ça, c'est la parole du directeur chargé de l'administration des ressources humaines, toujours Hôtel Caravia. Tokome pa ya papa délégation syndicale. Président, il y a délégation syndicale et Hôtel Caravia. La situation est connue. Le DG, là, au quotidien sur la français, DG à l'Obéliango, papa Jean Kayumba à l'Obéliango et papa Désiré Kaboula à l'Obéliango, si vous avez un papa, j'ai eu pour l'Obéliango. En tant que syndicaliste, situation, il y a des travailleurs, 172 travailleurs, et ça n'est pas à ces jours. Peu l'État, il y a ça, il y a une délégation syndicale. Oui, en fait, merci beaucoup de la parole. Je suis délégué syndical, j'ai un autre langage que. Les gens du comité voilà. De gestion. J'ai souffert avec mes collègues travailleurs. Le problème, c'est le gouverneur Moïse. Moïse nous a mis dehors. Moïse nous a trompés. Moïse nous a promis, il a dit. Après la réhabilitation, nous avons fermé l'hôtel. Tout le monde était dehors pendant 2 ans, de 2008 à 2010. Nous étions dehors. Moïse nous a promis, il a dit, le jour qu'il est arrivé, pour nous promettre cette réhabilitation-là, nous avons promis, nous avons dit, ok, monsieur le gouverneur, comme la direction, notre direction avait écrit pour qu'on réhabilite l'hôtel, et le gouverneur a pris cette option, il a accepté. Tous les travailleurs étaient très contents. Et il nous promet, après avoir réhabilité, tout le monde va regagner son poste. Mais c'était des mensonges. Il nous a promis qu'il n'a pas réalisé. En 2010, nous apprenons, moi il y a des agents qui me téléphonent, et président, nous apprenons qu'il y aura inauguration. L'hôtel est réhabilité. D'ailleurs, on était même interdit d'y passer.
camps réhabilités. C'était des Turcs. Il y a des ingénieurs turcs qui réhabilitaient l'hôtel. Personne n'y passait. Il y avait ses agents à lui, Moïse, qui étaient là-bas, à la guérite. Guérite, c'est-à-dire garde de l'hôtel. L'entrée. Il n'y avait que ses agents qui étaient là. Personne n'y entrait. Le jour de l'inauguration, on nous dit que d'ici 2 jours, il y aura inauguration. Le président Kabila sera là avec tout le gouvernement. Alors, nous avons mobilisé nos agents. Qui va recevoir toutes ces autorités qui viennent de Kinshasa? Nous, nous avons des cuisiniers, nous avons des serveurs, nous avons le barman qui devrait normalement recevoir toutes ces autorités lors des cocktails où c'est eux qui devraient s'en occuper. Mais malheureusement, on arrive juste à la barrière là. On nous dit, vous n'entrez pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On trouve la police. Bon. Et on commence à voir, il y a des autorités qui entrent, quelques ministres. Nous nous sommes dit non, nous devons maintenant interpeller notre ministre de portefeuille, notre ministre de tutelle, qui était Madame Mabunda. Elle est passée, moi-même avec 2 agents, nous l'avons arrêtée à la guérite. Nous lui avons dit, Madame ministre, il y a inauguration aujourd'hui. Nous ne sommes pas au courant. C'est par, je ne sais pas, des gens qui parlaient, nous l'avons appris. Et de bouche à oreille, même pas la presse. Nous, on n'a pas été invité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, vous n'avez pas été invité? En tout cas, je vais demander au gouverneur. Tout le monde, on disait, on va demander au gouverneur Moïse. Et le gouverneur était déjà là. La dame est entrée là-bas. Nous, on attendait. Même le passage du chef de l'État, ex-chef de l'État, quand il est passé, nous avons même brandi notre pancarte là, qu'on a écrit, nous sommes exclus, nous ne sommes pas invités. Bon, il a regardé toute autorité, il a vu quand même, il est entré. À la sortie, nous avons encore arrêté Madame Mabunda. Et là, il nous promettra, il dit, amenez-moi au moins 2-4 personnes, vous venez me voir. Nous sommes allés, moi et quelques 3 travailleurs, on est allés la voir là où elle était logée, elle nous a promis. Elle a dit, il y a deux choses. Nous avons dit, comme nous ratons déjà d'être réhabilités, qu'on nous paye notre décompte final. Bon, il dit, c'est encore quelque chose qu'on a discuté avec les membres du gouvernement et avec le gouverneur Moïse. Ils sont entrés, ils sont rentrés ici à Kinshasa. Dès lors, nous avons trouvé que c'était que, tout simplement, ces gens... On a commencé à écrire. Nous avons écrit d'abord au gouverneur. Le gouverneur, beaucoup de lettres. Aucune suite. Nous avons fait des marches. Et nous, les hommes, et nos femmes, et nos enfants, on a marché. On est entré même au gouvernorat. Le gouverneur ne nous a pas reçu. Il y a son agent chargé du social qui nous a reçu, bon, et on va voir, votre problème est connu, et dès lors, depuis 2010, on a commencé à écrire, bon, il y a eu changement de régime. Voilà, Félix Tshisekedi arrive. Nous nous sommes dit, et le président lance son avec le peuple d'abord. Le peuple d'abord, nous nous sommes dit, maintenant, le peuple, c'est nous. Quand il dit peuple, d'abord, c'est nous. Nous allons. Nous nous sommes décidés. On est venus avec cette délégation. Et comme cabinet, c'est M. Eli qui est là.
nous avons exposé notre problème. C'est tout un tas. Quand on parle de M. Ilunga Ilunkamba, quand il était chez Copyright, il était président Copyright, lui, nous avons même des écrits de Ilunga Ilunkamba, qu'il avait autorisé au gouvernement de nous payer. Il dit le gouvernement, payez ces gens là-bas. Tout calcul fait. Et puis, Mme Mabunda, elle aussi avait accepté. Elle avait même fait des notations là-bas pour nous payer. Bon, pourquoi on ne nous payait pas? Nous, il y avait une proposition qu'on commence à nous payer ces petits montants-là, fractionnés. Nous nous sommes dit, il y a des morts. Là, maintenant, je vais vous dire quoi. Nous avons 46 morts. 46 morts? Sur les 172. Papa, Malembe. Oui. Papa Jean Kayumba, Malembe. Ils sont là. Non, Tokino Malembe. Régime est changé. Oui. Faites ce qu'il y arrive. Oui. Le peuple d'abord, Nama ministre Naye. Situation à pour brandir, bon, maintenant il y a changement, on peut espérer bah, au foot à Bissou. Oui, oui. Bon, se déplacer, vous voyez qui ça, ça. Pour la Colande là. Entre temps, pendant que vous revendiquez votre droit à Bino, vous connaître 42 morts. 42 morts. 46. 46 morts. Oui. Au moment où je vous parle ici, hier seulement, un agent m'a téléphoné, il dit, il y a deux qui sont en agonie à l'hôpital. En agonie, oui. Je vous dis. Et les gens sont tentés de prier là-bas, ils disent, bon, en tout cas, est-ce que même le maintenant... Maman, il dit, c'est mon coawa. Voilà, ils se bandent comme ça bien, ils ont ça pas si mais beaucoup dans un moment d'appel, la bino, beaucoup de messages dans WhatsApp tout le temps, dans la direction générale beaucoup 66, c'est ça. Oui. Il y a mon épouse qui est décédée. Ah oui, nous sommes avec lui. En dehors de son épouse, elle est décédée là à l'hôpital. Au moment où pendant que déjà ça va, oui, mais Moronga il a coupé pour lui. Par manque de soins appropriés, j'ai été obligé de rentrer. Au moyen temps, on a voulu combattre parce que dans ce monde en guerre, ça n'a pas. Direction générale, si personne, épouse à DG Mopakoufa, manque à soins appropriés. Direction, il y a ressources humaines, Moko, Kafichi, Mouloloa. Moulolo, oui. La direction financière, Misato, Kyungu Banza. Simba Mateka, Mabila Mwaila, la direction DH, Ngoi, Bazasugi 4, la direction y a ressources humaines. Non. DR. Direction des restaurations. Ça, des restaurations. Hébergement à Hôtel Caravia, oui, ça, je vois, je vois. Hein. Ici, on en compte encore. Non, c'est pas possible. Bakaba AVC AO. Oui, n'en parlons pas. Il y a dans beaucoup. D'ailleurs, quand vous apprenez qu'il y a des enfants, il y a des enfants qui sont en train de faire, qui creusent des minéraux dans des carrières. Des carrières. Ce sont nos enfants. Ce sont nos avec enfants. Tous les risques de madame. Mais comment? Parce qu'il n'y a pas de quoi vivre. Alors que le gouvernement a interdit de ne pas utiliser les enfants. Mais nos enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ne étudient plus, ils sont devenus des vagabonds et franchement... L'État congolais est comme l'État mouini. Voilà ma maman dans le barangon, maître Eli Béni. J'ai l'impression même à Waro, Bossamsa Tebolimbis. J'ai l'impression, parce que quand il y a des cas comme ça, et je me dis, l'objet Félix Tshisekedi dans le bar qui va bloquer qui? FCC cash est bloqué. Ministre de la Finance qui a pu perdre, a quoi bloqué? Ma recommandation est qu'on a au CELE à Blokaraka. Ce n'est pas le point de presse à Blokaraka. Tout le monde a été dit qu'il y a un FCC caché. Lobby est comme une union sacrée. Parce que l'union sacrée peut payer l'Ukamba. D'abord, avant l'union sacrée, il n'a pas payé l'Ukamba. Ok, pas ici, Bango. Parce que peut payer l'Ukamba, Alexis Tambwe Mwamba, Mabunda va bloquer. Tchibala va bloquer. Tout va l'ombrer. Donc, comme on a l'union sacrée, bande konangai, l'union sacrée, il y a des gens qui sont des gens. Il y a 46 morts qui sont passés.
tala ba tata mikolo bana bakombe avagabon ba ko sala misala ya mine misusu ba épouse da bango na mitu na kabande ko boza wana soki yomba ti ona kana bango suko parce que za bien oza ministre oza premier ministre ministre finance oza soki ndenga nini boko tambola parce que ba pesi suko soki yonde ba ti osko na ka oyo et oza boni oyo za ministre ovandi awa oyo ko réclamer mais moi sino kuna kufu pa zangi soi bana bakombe avagabon l'état congolais l'état moyen to lo baboni to baka kabila l'état congolais l'état moyen Félix Tshisekedi peut l'état congolais comme l'état moyen to éviter n'attend la nation la lingette awa bola na ki j'ai lingette une interview dont il s'agit la lingette akol baka il y a des gens qui ne regardent pas dans la même vision que le chef de l'état donc ezala bato bazana katia gouvernement boza wana mais bota la même vision que le chef de l'état ça c'est Jules la lingette ami on doit être clair. Soit on veut aider les chefs de l'État, Miloka Boïsa l'a raté, soit on veut Kokunda Penza, chef de l'État, bien, dans le régime Minaye, Nenge Tokunda Mobutu na Maroc, Nenge Tokunda Joseph Kabila, Tokunda régime. Toi, imité. Si on a mis tout dans la conscience, on a un apôtre, on a un souboya, on a un apôtre, tant la français, mais on a un apôtre. Tant que tu as un dégo Flavien, on a mis tout ton gozo, d'ailleurs, on a un apôtre. Comment vous changez Kabila Kanambe, Akende. Oui, Akende depuis Kabila Akende, 3 ans. Bon, vous avez changé pour Nani. Kabila, vous bloquez les sous. Bon, je conseille à vous faire un proto, les lobes, comment vous saper. Champagne de champagne, parfum de parfum, Weston de Weston. Et puis, vous avez tout le monde qui vous a dit, vous avez mis la champagne, l'alcool, l'air, vous avez raisonné, vous avez conseillé. Bon, on pense à bon, on va filmer mon vidéo, on pense à bon, on va les réseaux sociaux. Ça fait mal pendant qu'il y a des gens qui souffrent comme ça. Et donc, on va détourner, on va détourner, on va détourner. Depuis, je suis allé à l'aide de mon temps, on va détourner. Pourtant, ma candidature, je ne sais pas si je suis allé à l'aide. Mais tu vois, on va monter, on va détourner. Comment on va détourner 1 000 dollars 10 000 dollars, on va avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, un individu. Sauf que, à côté de ma cala, après une année, grâce présidentielle, l'issue de côté, ministre de la justice. Oh, ma grâce est mort. Ou, à la poto. À laquelle il va évaluer. À pas déclarer la côté union sacrée. A être mettre le babou pour l'union sacrée. Union sacrée, union sacrée, union sacrée. N'a qu'on y a sous union sacrée 3 fois. N'a qu'on a 3 ans, Oyo, mon cousin, vous avez été clair pendant que l'on va citer des gâchis, des ans dans le congrès. Union sacrée, parce qu'il y a un moment où il y a un million de gens qui ont été détournés sur la union sacrée. Il y a la population qui a été détournée sur la union sacrée. Si vous avez été battu, vous avez été battu. Ah, vous avez été battu dans le cabinet. Vous avez été battu dans le deuxième mandat. Parce que le peuple a fait un passé de qui. Si vous avez été vérité, vous avez été vérité. Si vous avez été vérité, vous avez été vérité. Si vous avez été vérité, vous avez été vérité. Vous avez été vérité. Entourage, vous avez été malade. Dala yango malam. O manega la posa 100 jours à Pamba, yomo kanga na diété le cabine. Yomo te justice kanga diété le cabine. 100 jours à Pamba. Ti les gelo to lo baté. Ti les gelo et voit misine ba. Ti les gelo et voit misine ba. Kanga la volonté au sunga ba congolais. Paye à suka oyo développement la base de 145 territoires. 10 millions de dollars. Eh mandeko. O da cartouche à suka mouvement misabatu. Après la 2023 mandeko sekayo. Président ko le kaba ko za na ye. Mende, on dit que Mende n'a pas eu. On dit que la même Mende n'a pas eu. Tout le monde pouvait rêver, sauf ça. Tout le monde pouvait rêver, Bouchab n'a pas eu. Évariste Bouchab. Eh, Luma nous professait pas eu. Ngoïka Sandi, j'appelle ce mot de Roy Moyen déclaré avant. Peine à ce moment, Ngoïka Sandi, à ça, comprenez qui j'ai. Parce que, il y a une volonté pour ça, mais il y a un bloc qui m'a dit. Comment on a gouverné mon magou. Moi, je suis au gouverneur, il faut les sacailler. Il faut les sacailler. Tout le monde a un mandataire, il faut les parer. Donc, moi, je n'en ai pas. Heureusement, IGF a une patrouille financière. Avant, il me faut y aller. Bien que je ne sache pas IGF, je peux m'aider. Tu es là, Congolais. Maître Eli Béni, et où ça passe. Et là, je m'adresse à vous parce que dans mon changement d'anti-valeur, et ça continue, ça fait mal. Ce qui est le perdre, c'est parce que le lobato va permettre à mon conambo de voir ça la tête. Tout le monde a changé ma tête. Alors on ne comprend plus rien dans le sauver Congo. Alors c'est Kabila qui est bien. Les mal, c'était pas Kabila. Parce que le lobato, ça, les malheureux, papa Mikolo, si le lobato couvre 46 672 agents, 46 va couvrir.
Donc, on a un peu de temps, 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 on a Papa Santé au Kenya, nous avons dit que 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 nous avons dit Il y a des gens qui ont fait des choses chaque jour. Pour ça, il y a des gens qui ont fait des décisions. Il y a des gens qui ont Papa, ça a été réveillé. Il y a des gens qui ont fait des choses. Parce que les gens ont fait des choses. Quand ils ont fait des informations, quand ils ont numéro, ils ont fait des autorités. Ils ont fait des choses. 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 C'est le 2023 pour voter Félix Tshisekedi parce que tout va bazo nyoko ma lobby ba papa intellectuel ba bazo lobby ok na ir ne voter Félix Tshisekedi ni yebisa 2023 mwezo ya papa c'est peuple va hôtel melabino sans oublier ba combattant belé ba du misalaté tirelo ba ne remiso la 10e rue tiens le ba du misalaté ba ba lo ma boko bolé garaba chaura ba combattant ba ko fonda ba miso lobby donc vous comprenez que c'est quand même assez triste hein nul ne peut rester insensible face à souffrance à bouler. Donc, il y a un moment que et Sengel Kosa a quelque chose. Parce que, où est-ce que ça n'a pas ces années? Namboko, Tomoni, Batouba, Télémi, pour le Rolo Banabiso, nous avons un bilan. Et ce que je veux dire, c'est que le bilan est en haut. Souffrance à Bandeko, 170. Parce que compter 170, compter, Moutouna, foyer, naé. Ce que je veux dire, c'est que Kokolo, ça fait combien? C'est ça le bilan de Kokatoum. Oyo, a mimi bandeko, a kosi bango, pour l'hôtel, c'est bango que non, bazo bongisa boza, mais pendant ce temps, recrutement salemi, allez, bangage batoumsous. Mais le lot, vous voyez que batoumsous se sengé le bazo solution à problème. Et je crois que c'est aussi cela, transcendance nakati amboka. Donc, il faut que mon amboka Félix Antoine Tshisekedi. Parce que, solution. Parce que vous vous imaginez Batiki ba foyer. Déjà Mbayo, Tolandiawa, moi si Akoufi. Azangina tiké pour azonga ke nokunda moi si. Azangina mbongo po ete basomba bakisi moi si abika. À cause manque moi si Akoufi. Ils sont de nombreux aujourd'hui à 46 au basu Akoufi. Est-ce qu'on doit continuer à rester insensible Bakou fait davantage, Bangonyo Sopo. Mais quand on a un peu de temps, quand on a un peu de temps, c'est là. Oui. Kabila Kenda, Moïse Katumba Kenda. Voilà. Félix Tshisekedi Azawana. Voilà. Le peuple d'abord. Mais qu'est-ce qui fait que, permet à mon Konzamboka, Batouba, d'être insensible dans la Kayabatou. Aussi, on a un droit dans Bango. Moutouna soit bénéficié de Moussa Ossala, ils allaient constitutionnel. Mais il y a des gens qui maltraitent Batouboué. Mais il y a un peu de temps pour Zamboka. Et mon Zamboka reste insensible. 2023, il y a un peu de temps. Tout à fait. Il y a un peu de temps. Est-ce que, d'un côté, il y a une union sacrée, beaucoup de gens, il y a des gens qui n'aident pas les chefs de l'État. Même quand il y a Sama Lukonde, quand il y a un gouvernement. Beaucoup de monde est en côté. Le ministre de la Finance est à côté. Le ministre du Budget est à côté. Le ministre de la Fonction publique est à côté. Il y a un peu de temps. Non, je crois que vous avez quelque part raison à Rolobango. Parce que c'est vrai que. Affaire, il y a 170 agents et cadres à Caravia et Bandaki na gouvernement actualité. Il y a un gouvernement passé. Mais nous avons pour se faire actualiser les dossiers pour s'adresser à l'autorité. On a le ministre de la Finance, Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi est au courant. Il est au courant parce que. Oh, attends, Nicolas Kazadi. Il a fait trois fois Nicolas Kazadi. Parce que 46 Bakouf, il y a 170 Nicolas Kazadi. Donc, 172 agents, 46 Bassi Bakoufi. Voilà. Nicolas Kazadi a bêlé le trois fois. 2023, son gamin Konzamboka. Parce que, j'ai l'ingé de Baba Nabiso, n'a pas gagné comme le bagage de Papa Jalinguet.
Tout à la vérité. Il y a un peu de temps pour dans la même direction pour Kondambokate. Parce que le chef de l'État ne peut pas être partout. Il y a un Kondambokate comme premier ministre, comme ministre de la Finance, ministre des Affaires sociales. Il y a un ministre, comment on appelle ça, il y a Finance, il y a Budget, il y a Fonction publique, il y a Portefeuille. Il y a un collaborateur, mais il y a un salanine. Kakaba warrior ya munoko batwa ko nyoko maka ozaka ichantion parce que nazaba ka ebele ya batuba ko yawa papa santetari kamona biso o bazana ba droit na bango na ebite suko ba bela biokana ba television po bosala to ebite atape ba ngapi ngelo na comporter na nyosa kango batwa sen sensible batwa sen sensible ato lobi na tele etali bango tele chabo la caravane passe awo mela champagne achi makulu ko mesa donc ba papa ba ko nyoko na bango bosana lo marche bon se kana bango bino on a vécu ça avec lui là pourquoi ça continue avec Félix Tshisekedi point d'interrogation. Excusez-moi, donc, Nicolas Kazadou, ministre des Finances, qui est son Excellence Premier ministre. Samalukonde, oui. Et puis, on avait réservé copie à la présidence de la République pour que la situation soit actualisée. Et surtout que Ndeko Kabila a déjà option. En 2010, dans le Conseil des ministres, il y a une option à refouter à Mango. Mais depuis tant en annonce, rien n'a été fait. C'est pourquoi tu actualises qui? Comme il y a eu changement au sommet. Donc, Ndeko Kabila, c'est un bafouta, mais bafouta maté. Bafouta maté depuis 2010. Ndeko Kabila, c'est un bafouta, mais un collaborateur bafouta. Papa, on a un problème particulier, ma ministre. Tu peux me donner sa rétrocession, tes systèmes aller-retour. Parce que tu n'as pas le système, on est à la gare. Tant qu'on a là. Peut-être on sera bien. Yo, Vaniga, on a créé un DG dans l'hôtel Caravia. Mais après, on a parce que le système est en Kabila. Oui. Opération aller-retour. Bah, tu es mandataire, bah, tu es géré, il faut tenir ma enveloppe. Peut-être qu'il y en a autre qui tient enveloppe, mais qui s'est président, bon, tu n'as pas. Parce que toi, moi, tu m'as bien, 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 tu m'as bon, Félix, c'est que d'ailleurs, parce que tu n'as pas aïe. Parce que vous vous foutez à mater, ministre, ça m'a le con d'aïe, ma warrior. Bon, n'aïe, bite, bon, c'est quoi. Bon, quand on, eh, comment ça passe. Non, on comprend, même pour l'instant, on a mis ça. N'aïe, bite, sans comprendre. Si on a mis autant ma question, bah, toi, ça passe. Est-ce que bah, toi, ça permet à mon cousin, bon, qu'à vous sonnaïe, n'aïe, bite. Le peuple est d'abord le slogan, naïbité. Le peuple est d'abord le rappel à solo, naïbité. Et comme une confusion dans la confusion. Non, de toute façon, Madame Boka, Sentinelle, ce que nous pouvons demander voilà pour terminer, c'est que le président de la République s'implique lui-même. Vraiment, qu'il ait pitié de nous, puisque même. Depuis 2000 mais nous sommes ici à Kinshasa. Kinshasa depuis dans 3 ans de la Kinshasa. Ah, oui. Mais déjà depuis 2007. Bientôt 12 ans. 12 ans. Oui. 12 ans. Attends, 12 ans. Alors nous demandons au chef de l'État qu'il puisse s'impliquer lui-même en tout cas. Nous souffrons, les familles sont là, les amis, mais nous sommes quand même. Nous sommes parmi. Le peuple, d'abord, c'est nous. Nous devons le soutenir. Dans sa vision, nous devons aussi le soutenir. Hein? Que le ministre des Finances, qu'il voit quand même. Parce que le ministre des Finances, il faut que tu aies un peu de bon, ça t'est. Non, parce que. Tu peux répondre à mon tour il y a des avocats conseil justement démarche sur mes écrits pourquoi le ministre a refusé d'abandonner ton commis officiel attends d'abord il faut d'abord que dossiers à la traiter à Bengabiso à s'entretenir là concerné pour leur dire que voilà disponibilité zaboué nous avons fait un million ce soir tu poses un d'abord c'est là parce que nous on a écrit pour actualiser des dossiers pour permettre à ce que le gouvernement a finalement dit ça et refoute à Bango. Vous voyez? Donc c'est cela. Parce que du moment où ils ne sont pas invités officiellement pour que bah, la situation à Bango, c'est ce qui est difficile. C'est la raison pour laquelle nous sommes tombés là pour que les autorités prennent en sa juste valeur tant et retraiter le dossier à Bango parce que souffrance c'est l'équipe. Trop. Souffrance c'est l'équipe. Il faut que Nicolas Kazadou, ministre de la Finance, à me raconter la situation à Bango. Madame Adèle Kaïnda, waza na portefeuille.
Ah, mais qu'on s'implique pour que le dossier, ça, et même à nouveau, la conseil des ministres. La responsabilité, il y a portefeuille, sur qu'on a place. Mais ça, vient de vous foutre. Parce que portefeuille, il attend que. Voilà. Portefeuille, il y a le ministère des tutelles. Parce que je me rappelle, et je me souviens, ils ont dit d'ailleurs, maman, on va le bien tout à l'heure. Maman Adel Kaïnda, elle a 5 heures dans Moussala. Maintenant, elle a eu le canon de Kamba. On passe un petit peu, et comme elle a bien été. Mais justement, maman Adel, je crois que. Oh, il y a eu le caca. Maman, il y a eu le caca. Voilà, je crois que. Oh, ils allaient moins à ma maman, il y a sa maman, aux responsables, et puis surtout que aux Oaka, bah, midi, non, tous les matins, on vient à 5 heures, maman, ça a déjà pris un bureau pour notre talent. Problème, il y a un mot, papa, pas un mot. À quoi il y a un mot? Vous vous imaginez, à vous, tu t'attends à Moussika? C'est basé là, il y a relié à Ezate, il y a refus dans le même hôtel, Ezate. Est-ce que faut dire que non? Bazan a même pantalon, voilà, tapo, ouais, ou non, faut intervenir. À l'époque, votre prédécesseur, Zinani, madame Mabunda, a traité qui dossier, après ça, même aval. Oyo, au remplacé, Kouete, a traité qui dossier, et je crois qu'il a encore des droits que Ozoa, dossier pour ramener au conseil des ministres, de façon qu'il va traiter Kayabato, finance à foutre avant moi finalement. Parce que, les alliés tutelle na yo, yon deux ministères à tutelle na bango, Karav, ils ont sous tutelle, il y a un ministère à portefeuille. Il est vraiment important que on s'imprègne dans le dossier pour que, au moins, le premier ministre, le dossier le conseil des ministres à nouveau, dès le cas en 2010, pour que la situation soit de quoi ils ont la raison. Papa Kayumba. Papa Kaboula. Oui, je voulais juste, c'est ce qu'il faisait de dire auprès de madame la ministre. Elle-même, ici, j'ai son neveu, son cousin, qui est mort. Son nom est ici. Moali, non, je vous l'ai dit. Il est mort. Moali Sakaïbo. Il est là. Moualissa Kaïm, son cousin. C'est un dossier qu'elle connaît depuis Mbashi. Et moi, je crois à l'humanisme aussi. Merci pour avoir appelé ma maman d'elle qui s'appelle cousin Naïe. Elle a parmi les 170 agents à Koufi, il y a 46 personnes. Ah, il est là. Donc, Moualissa Kaïm. Voilà, donc le cousin Mamadel, il m'a Mamadel, ministre de portefeuille, il peut cousin à Koufi parmi l'argent. Donc, je pense que Zali Kamboutani va tout. On sait jamais un ministre de la finance qui est bloqué. Quel balai vous pouvez nous donner à la carte? Vous avez quitté. On ne sait jamais. Donc, on l'a gâté parce que ça va quand ils ont dérangé. Que Maman Adel Kaïnda a recevoir. Aya Mbabango. Aya Mbabango. Pour être à traiter de ce de façon que même un nouveau dossier dans le conseil des ministres. C'est très important. Merci beaucoup. Voilà, Bandeko Balandi, Tokomi Patrimoine, la Soukaya, l'émission, la Missoto, Baki était Tokobeta CT, Naotali Kaya Bandeko, Nalobaki, Bokulanda Mikologoya, Ndekoué, Wabo, Monagina, Cotège, Amokozambo, Katanga, Kouta, Mikila Poto, après tourner Naye, Obandeko, Yon, Sakri, Bakaneko, Yambaye, Naéroport, Monaga, Cotège, présidentiel, et tout à Kara, Bandeko, Wewa, Mokozambo, Katela, qui est indifférente, Akanakati, na achevé des lits, na hôpital, Pona Kota, la Bango, Pona Koide, Bango, Kassindeko, na Koyo, Salaba, dénonciation, Poete, Omokozambo, Kasanaki, Kaka, entourage, Jésus. Et comme il a un peu de temps, il a un peu de temps, il a été capable de faire un hôpital. Pour moi, je suis au Sanaka, je suis au Pessaka pour passer à Bango. Et comme il a un peu de temps, 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 il faut à rien abattre. Voilà Bandeko Balandi, comme la sous-émission la mission, un grand merci. La Bandeko Nyonso, bonjour qui le Bakou, y'a beaucoup la mission. Ma message, en tout cas Bandeko Nangai, moyen que tanga ma message Nyonso, ils allaient régir, ça lui aussi déjà que tout ce qu'il dans deux minutes, émission Sili. Bonjour sentinelle du pays, le gouvernement sortant n'avait pas du cœur, je pense. Avec président Félix, il continue à faire froid. Ces pigeons Dialungi là depuis Matadi. Voilà Bandeko, ma question. Bah, mitou na nabino, Ezali, Ebele, nazomo na plus 256 Uganda. Message moulaï, moyen tangate en décoration Uganda, Botindi, bah, message nabino, nazomo na pe sous awa, plus 44, 74,
81 51 merci ndeko moyen natanga message c'était donc Londres Ouganda merci bandeko balandi moyen natanga message je souhaitais au moins ba colo numéro ba ki ba numéro ba ngopo ba ba kino effectivement ba tinda ki message papa Sentinelle à Monaki plus 44 74 81 51 donc au moins message ne commis natangi mais moyen côté était parce que on nous fait signe que tant ici ki bandeko Londres souffrait to comme vraiment la souka émission bandeko Ouganda souffrait to comme la souka émission ndeko ya matadi ndeno watu tanga je crois ndeko matadi walobi ke gouvernement oyo ya kabila ki na cœur te mais oya Félix azokwa na ngoto tala kaka ndene koleka merci beaucoup à vous tous merci à la grande équipe technique to kutani na 19h30 la rediffusion prochain rendez-vous lobby le 8 mars maman Sentinelle a ko présenter émission lobby pose à la brancher écoutez kamala matondo mingi pe to kutana bino mokwalobi na émission mosusu.